Allez, donc entretien avec Jérémy Bréchet. Donc Jérémy, merci tout d'abord. Et donc vous êtes devenu depuis coach adjoint de la réserve de l'Olympique Lyonnais. Donc comment se passe cette expérience-là et est-ce que le retrait des pelouses n'a pas été trop difficile à l'époque? Non, ça fait maintenant 4 ans et demi et j'ai eu la chance d'aller au bout parce que j'ai arrêté à 38 ans. Donc j'ai eu la chance de finir, de choisir la fin. Donc ça c'est vraiment une chance pour moi. Et puis je suis rentré à l'Olympique Lyonnais, j'ai d'abord fait les U13. U13, U17, c'est vrai que je suis sur la réserve maintenant en tant qu'adjoint depuis 3 ans avec Guida Fofana. Et bah, ça se passe bien. C'est une catégorie qui est très spéciale, très spécifique à l'Olympique Lyonnais. Mais c'est une belle catégorie avec une belle aventure humaine et super stable, des super gamins qui, quoi qu'on en dise, ont vraiment une très très bonne mentalité, qui bossent bien, pour qui c'est difficile. Parce que devenir aujourd'hui joueur pro, c'est compliqué. Donc c'est vraiment une belle aventure humaine et je m'en régale. Je vais aller droit au but. J'ai l'impression que pour moi vous avez fait une brillante carrière. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que vous avez remporté tout ce qui était possible de remporter en France. Oui, c'est vrai. Le championnat avec Lyon, la coupe avec Sochaux, la coupe de la Ligue face à Monaco, le trophée des champions. Oui, oui. Mais pour moi vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur parce que vous avez été un rouage essentiel du début de la grande ère de l'Olympique Lyonnais. Vous avez joué à l'Inter, à la Real Sociedad, le PSV Eindhoven. Et certes, il y avait énormément de concurrence à l'époque en équipe de France, vous avez eu 3 sélections. Oui. Mais vous estimez pas peut-être à mériter plus de choses que ça? Non, je pense pas. C'est vrai? Non, je pense pas. Je pense que, je suis fier de ma carrière, merci, ça fait plaisir. Vous pouvez l'être. Mais non, j'ai eu la chance d'aller en équipe de France, c'est vrai, mais je pense qu'il manquait quand même quelque chose pour aller plus haut. En fait, j'ai commencé en tant que latéral gauche et c'était à la période où un peu le football a un peu changé pour les latéraux, c'est devenu des attaquants et moi quand même, la vérité c'est que j'avais quand même une charrette qui était assez importante, donc je suis repassé dans l'axe. Et puis c'était l'apogée de l'équipe de France aussi. Et puis oui, et puis après passer après les Arazou. Non, mais je pense que j'ai eu la chance de toucher le très haut niveau, mais je sais, je suis objectif, je sais qu'il manquait quand même des choses pour y rester. Un mot sur votre expérience à l'Inter de Milan. Vous avez côtoyé une kyrielle de stars internationales. Ouais. Et quelles sont les différences majeures pour vous entre le championnat italien, le championnat espagnol et le championnat des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven? Ben, elles sont majeures. C'est vrai que le championnat italien, c'est un championnat très difficile qui ressemble un peu à la France parce que c'est avant tout un pays basé avec une culture de défensive très importante où j'ai appris à défendre là-bas. Hein. Vraiment, c'était assez extraordinaire. Une pression vraiment importante des supporters. On sent que le football là-bas c'est plus qu'un sport, c'est plus qu'un métier, c'est une religion quoi. Donc une expérience vraiment unique. L'Espagne c'est différent, c'est vraiment le plaisir de jouer, beaucoup d'espace, beaucoup de vitesse, toutes les équipes jouent au football, tous les Espagnols sont tous très techniques, beaucoup de Sud-Américains aussi là-bas. Et vraiment ça a été vraiment différent. Ouais. La manière dont ils apprennent le sport et le football là-bas, c'est vraiment différent. Et le championnat hollandais, on voit rarement de Français s'expatrier aux Pays-Bas. Ben en fait, c'était l'opportunité pour moi de retrouver la Coupe d'Europe, la Champions League. Et en fait, le PSV Eindhoven était champion à l'époque quand j'y suis allé. Et la culture du football m'a plu là-bas parce que c'est moins athlétique qu'en France, moins athlétique qu'en Italie, moins rapide qu'en Espagne. Mais vraiment, la culture technico-tactique, elle est très 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 précise. D'ailleurs, il y a beaucoup de très très bons coachs qui sortent, qui sont hollandais ou qui sont allemands. Je me suis régalé en termes technico-tactiques là-bas. Après, la vie, c'était différent. Je ne suis pas resté très longtemps. Mais c'est vrai que le football là-bas, c'est avant tout le jeu. L'entrée, elle est par le jeu. Le joueur le plus impressionnant que vous avez côtoyé comme coéquipier et à l'inverse, comme adversaire? Bah alors, pas beaucoup. Mais Zidane, dans la Coupe de France, je crois qu'il symbolise ce que Federer peut symboliser au tennis, ce que peut-être Jordan a été au basket. C'est des joueurs, des légendes maintenant qui, en fait, tout paraît simple. Quoi. C'est le football, l'état pur. Et ça a l'air tellement simple dans ses pieds qu'en fait, c'était assez incroyable. Et comme adversaire, ouais, un joueur contre qui j'ai eu beaucoup de mal, Agüero. Ouais, parce qu'il était très petit, un centre de gravité très très bas, et puis moi qui étais avec ma morphologie, ça a été très très dur. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal contre lui. Et je vous embête avec une dernière question. Non, ça me dérange pas. Vous avez terminé au Gazélec Ajaccio. Ouais. Et chaque année, vous poussiez une année de plus, une année de plus. Et vous avez terminé comme un joueur légendaire de ce club, mine de rien. Oui, c'est une grande fierté. Parce que simplement, j'ai passé 4 années extraordinaires là-bas. Et je suis aussi très très triste c'est de ce qui arrive actuellement parce que
C'est un club qui a une âme. Déjà, la Corse, c'est une île avec les Corses, c'est des gens fantastiques, sincèrement. Avec du caractère, avec une âme. Et ce club-là, il a une âme. C'était quand même plus que du football là-bas aussi. Et j'ai vécu des moments extraordinaires. Et avec tous les gens que j'ai pu côtoyer là-bas, on a vécu ces moments forts. Et j'espère qu'un jour, je pense un peu comme ce club, c'est un peu comme le Phoenix. Il n'est pas mort, il renaîtra un jour, j'en suis sûr. Là, en ce moment, c'est une période difficile, mais ils s'en relèveront parce que ouais, l'âme corse, c'est quelque chose. Vous avez dit que je vous embêtais pas, donc je vous en pose une dernière. Allez, ça marche. Le match de votre vie que vous avez vécu sur la pelouse. Le match de ma vie. Ouais. Le plus beau, avec le plus d'émotions, de sensations. Ouais, je pense sincèrement le premier titre avec l'Olympique Lyonnais. Le match face au Racing Club de Lens. Ouais, tout à fait. Parce que c'est le premier titre de champion, parce que les supporters ont mis sur le terrain, parce que c'est l'apogée d'une année extraordinaire avec une bande de potes et on est. Ouais, sincèrement ce titre-là. Vous étiez du match Lyon-Inter de Milan aussi. Oui, Des gros matchs aussi. Aussi, oui, des gros matchs. Ouais, il y en a eu des très très beaux, c'est sûr. Ouais, il y en a eu aussi des magnifiques depuis cette époque-là. Lyon a vécu des épopées incroyables, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'était un peu les premières années de Coupe d'Europe. Je pense, nous les joueurs et aussi les supporters, on a un peu de nostalgie, c'est normal. Jérémy, je vous remercie de m'avoir donné autant de temps. Ah, avec plaisir. Et bonne continuation. Merci encore. Merci.